Salut, un très grand bonjour à toi, ami basketteur. Aujourd'hui, je suis heureux de te présenter cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé le contenu qui va suivre pour que tu progresses individuellement. Afin de te donner toujours plus de contenu de qualité et pour être sûr que tu progresses à distance grâce à mes conseils, merci de me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo. Je te répondrai avec plaisir pour te faire progresser. À très bientôt sur les terrains. La poche de protection pour tous les joueurs qui veulent vraiment protéger leurs balles, même avec des défenseurs très agressifs et quand les fautes ne sont pas sifflées. La première étape est d'abord d'être dans la position de référence fléchie face aux défenseurs, les deux pieds sur la même ligne. Tu dois alterner un dribble devant sans protection et un dribble derrière toi où ton corps protégera le ballon de la défense. La deuxième étape, tu dois dribbler hors protection devant toi, mais la balle et ton coude vont derrière la ligne et tu contrôles sans faire de portée. La troisième étape, tu dois faire tourner ton buste au maximum et protéger en plus avec ton autre bras dans ton cylindre. La quatrième étape, tu fais un dribble sans aucune protection et un autre avec. Tu dois avancer ton pied du côté de la balle et respecter les trois premières étapes. Bien sûr, tu devras faire cet exercice des deux mains et en levant les yeux, et bien plus vite que ton mentor pour être au top. Parfois, la poche de protection ne suffisant pas face à l'agressivité des défenseurs, nous allons voir ici comment protéger efficacement son ballon sans faire de faute offensive. Attention, tu dois prendre en compte ce que nous avons vu sur la poche de protection. Tu dois agir avec ton bras libre sur le bras du défenseur qui fera une antenne pour te suivre. Cette antenne, illégale dans bien des cas mais pas toujours sifflée, il va falloir que tu t'en serves pour prendre le dessus sur ton adversaire. Ici, le défenseur est représenté par le cône. Stéphane, une antenne avec ton bras, toi avec ton bras, rester dans ton cylindre, être souple et réactif, ne pas aller trop loin dans le mouvement et t'appuyer sur le défenseur pour être efficace. Voici la gestuelle incorrecte. Et la bonne gestuelle. Ta main doit être ouverte, ton bras doit agir dans ton cylindre, non pas vers l'adversaire. Voici en pratique sur un travail vers le cercle en avançant et reculant ce que cela donne. Tu devras chasser le bras de ton adversaire à chaque fois qu'il le présentera, sans stopper ta progression, ce qui nécessite un gros travail de coordination, indispensable si tu veux te protéger efficacement.